Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo qui est très importante. Parce qu'on va voir comment router n'importe quel modèle de smartphone de marque Samsung. Les détails juste après la pause. Alors, je reçois incessamment des questions relatives à comment router mon appareil de marque Samsung. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à ce besoin qui concerne comment router n'importe quel modèle de smartphone de type Samsung avec la méthode CF Autoroute qui est la plus garantie et la plus sécuritaire. Alors, une fois sur cette page, bien sûr, les liens, vous les trouverez dans mon site et le lien de mon site, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Vous avez ici le modèle. Il y en a tous les modèles de la marque Samsung, comme vous voyez. La première des choses, vous allez sélectionner votre modèle. Et après le modèle, ce qui est important, c'est Android, c'est la version Android. Donc il faut prendre deux choses en considération. La première des choses, c'est le modèle. Et la deuxième des choses, c'est le numéro de version Android installé sur votre appareil. Ici, c'est la taille des fichiers à télécharger. Et ici, c'est Download. Download, ça veut dire télécharger. Et une fois que vous avez trouvé le modèle de votre appareil Samsung et la version d'Android installée, vous allez cliquer sur Download ici. Vous allez être redirigé sur une autre page. Voilà, vous avez Download et au-dessous, il y a CF Autoroute. Vous allez toucher ici pour télécharger. Vous allez donc vous retrouver avec un fichier compressé. La première des choses, il faut la décompresser. Mais avant, je vais vous montrer comment connaître le modèle et la version d'Android installée sur votre appareil. Donc, vous allez sur les paramètres de votre appareil. Dans les paramètres, vous allez chercher à propos de l'appareil ou à propos du téléphone, ça dépend de l'interface selon la version d'Android installée sur votre appareil. Et là, voilà, on a numéro des modèles. C'est ça ce qui est important. Pour mon cas, SMG901, c'est le Samsung Galaxy S5. Version d'Android, voilà, 601. Alors là, il faut, c'est ça ce qu'on cherche, le numéro de modèle et le numéro de version. Donc, on aura besoin aussi de l'option de développement. Ça veut dire que vous allez donc activer le mode débogage. Comment activer le mode débogage USB? Il faut avoir option de développement. Puis, donc, touchez pour y accéder. Et voilà, vous avez ici débogage USB. Il faut l'activer pour permettre à votre téléphone de communiquer avec le PC. Parce que dans cette méthode de l'installation de route, on aura besoin d'un PC. Si vous n'avez pas option de développement, donc vous pouvez les activer. Comment? Vous allez toujours sur à propos de l'appareil. Vous allez chercher, donc, numéro de version et vous allez la toucher 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ma part, il était déjà activé. Vous pouvez donc la toucher plus de 7, mais c'est pas moins de 7. Après, vous allez revenir et vous allez trouver que options de développement vont apparaître ici. Alors, une fois qu'on a téléchargé donc le fichier, on va le décompresser. Clic droit. Extract file ou extraire les fichiers. OK. Et voilà, on obtient ce dossier. On va ouvrir ce dossier. Et dans ce dossier, on a Odin. Odin, c'est l'utilitaire ou l'application qui va nous permettre d'installer le root sur notre téléphone à partir de notre PC. C'est un utilitaire qui ne nécessite même pas d'installation. Vous allez tout simplement cliquer dessus et ça va s'ouvrir. Mais avant tout, voilà le fichier qui nous concerne. C'est le fichier d'extension tar.tar.md5. Il y a
.tar puis .md56. C'est ce que vous allez chercher après. Je vais vous montrer bien sûr comment. Alors maintenant, on va cliquer sur Audin. On va l'ouvrir. Le voilà. Comme je viens de vous dire, il ne nécessite même pas d'installation. Il suffit de cliquer dessus. Il va s'ouvrir. Donc on va l'agrandir comme ça. L'agrandir comme ça. On le laisse. Maintenant, on va aller sur notre téléphone. Alors, vous allez maintenant éteindre votre téléphone. Après que vous avez, bien sûr, activé le mode débogage, vous allez maintenant éteindre le téléphone. Après, il faut le redémarrer au mode download. Alors, tous les modèles Samsung, comment on les redémarre en mode download? Il faut donc appuyer en même temps sur le bouton Home, le bouton Volume Bas et le bouton Power. Alors, juste après l'apparition du logo Samsung, vous allez lâcher en même temps les trois boutons. Et votre appareil va de nouveau et entrer dans le mode download. Après, donc, vous allez toucher le bouton volume haut et laissez-le. Maintenant, vous allez donc connecter votre téléphone à votre PC via le câble USB. Le téléphone soit reconnu par le PC, sinon, non, ça suffit automatiquement. Vous avez déjà l'habitude de le connecter, sinon il faut installer les drivers pour connecter le téléphone au PC. Pour Samsung, c'est très facile. Il suffit d'aller sur Google et taper driver pour Samsung. Alors, maintenant, une fois PC va reconnaître votre téléphone, vous allez avoir ici donc un espace en couleur bleue. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici et cliquer sur AP sur votre PC. Voilà, on s'est redirigé directement vers le fichier cfautoroute.tar. Donc, vous allez cliquer dessus. Puis, vous allez cliquer ici sur Ouvrir. Le fichier maintenant est là. Voilà. Ne touchez à rien. Laissez comme par défaut. Tout ce que vous allez faire, vous allez toucher sur Start. Donc après quelques minutes, si tout se passe bien, vous allez avoir ici Passe en vert. Après, votre téléphone va redémarrer automatiquement. Alors donc, réjouissez des routes, déconnectez votre téléphone de votre PC et c'est fini. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.